fréquentable. On prépare la Steph mobile. Voilà. Donc, dis bonjour Steph. Salut à tout le monde. Non, on avait dit bonjour Steph. Bonjour Steph. Voilà. je t'ai préparé pour mettre les trucs. Deux. Sous le tiroir. Ah, nickel. Ok. Le tiroir du tout de la chaise. Ok. Voilà, donc là, on se barre en tournage. Et vous voyez, donc, j'ai chargé, donc ça c'est mon gilet jaune. Ça, c'est le caméscope que mes donateurs m'ont payé avec le petit micro qui sert vachement car le son est bien meilleur. Et ça, c'est tout le matos dedans. Donc j'ai ma pièce d'identité aussi. J'ai un peu d'argent pour m'acheter un kebab parce que je suis millionnaire. J'ai les batteries, j'ai les piles que vous avez aussi produites également, les donateurs. J'ai mes binocles. Et puis tout le matos est dans la voiture. Voilà, donc à toutes. Babier. Salut les amis. Donc voilà, on est reparti pour séance de tournage avec Morgane. Voilà, donc là on va manger un petit peu, on va ripaille chez un jeune kebabier. Et on prend la route direction Lyon pour la manif. Donc on vous tient au courant, restez à fond, à tout à l'heure. Bon les infréquentables, là je suis au marché, vous voyez, avec Stéphane, Steph, et on va, Bébert, pardon. Et Bébert aujourd'hui, on va donc, je le filme régulièrement, ça c'est pour le making of du film que vous verrez ensuite, et donc on va bouffer et ensuite on file sur le tournage en pleine manifestation. Donc on va prendre un peu de force. Ouais. Voilà, en tout cas le tournage se passe bien. Tout va bien. Et ne vous inquiétez pas, pour nous, on fait très attention. On a le temps qui est avec nous en plus. On fait très attention. Mettez au niveau. Et voilà quoi. Ok. Donc. Et n'oubliez pas, pour soutenir mon voyage, mon tournage et le montage qui arrive, pensez au minimum à cliquer sur les clips de Tipeee. Hey, salut les amis, nous sommes à Lyon, ça y est, nous venons d'arriver, donc j'ai fait le déguisement, on va aller gentiment à pied sur la place, toujours avec mon alcoolique. Enfin, non, alcoolique. Bon, ben, on vous ramène le maximum. On va faire au mieux. Souhaitez-nous bonne chance, soutenez-nous. N'oubliez pas de cliquer sur les vidéos Clippy sur la page Morgan Price. Et de partager sur, pareil, la page Morgan Price SS Spiro. Allez, à plus tard. On vous tient au courant. À tout à l'heure. Ah, que c'est que ça pique, hein. Vas-y. Ça pique les yeux. Ça pique quand même les yeux, l'histoire. Hein. Ça pue, hein. Enlève ton téléphone, il faut que tu sois dans le personnage. Bon, on est bloqué. Comme vous pouvez voir derrière moi, voilà, ils sont en train de bloquer la route. Et donc, moi, j'essaie de retrouver Morgane. Et il vient de me dire qu'il est sur la place, alors je vais essayer de passer de côté, mais le problème c'est que ça gaz. Alors, c'est vraiment la merde. Tu vois, ça pique les yeux, même les gamins, tout ça. C'est vraiment la merde. Bon, je vous tiens informé, les amis, à plus tard. Bon les infréquentables, on est donc sur le terrain, à Lyon. Et donc, vous voyez, Steph, là, on a à peine arrivé... c'est qu'il y a eu un gros gazage. Et après le gazage, donc on a dû courir à gauche à droite. Mais j'ai filmé plein de séquences très intéressantes pour le film. On est là pour ça. C'est une prise de risque. Mais en même temps, this is my job, c'est l'anglais. C'est-à-dire, c'est mon travail. Voilà, donc oui, je suis là vraiment incognito. Et puis j'essaie de capturer un maximum d'images pour structurer mon film. Voilà, donc la mise en scène se passe bien, l'acteur va bien, et là on rejoint le cortège des gilets jaunes tout au fond. Une deuxième fois, parce que la première fois on s'est fait lourder. C'était super. Allez, à toutes. Bon, là je suis à la fin
de la journée de révolution. Oh, il devait y avoir allez, maximum 1000 personnes environ, il n'y a pas compté, mais au vu de ce que moi j'ai filmé, c'est à peu près 1000 personnes en tout. Vous voyez ? Donc ça a été très très dur d'intégrer tout le temps le cortège, parce qu'on se faisait gazer tout le temps dès qu'on s'approchait. Il y avait du gazage parce qu'ils dispersent continuellement les flics. Et donc là ils sont restés sur cette place là à attendre de se faire gazer. Donc moi j'ai réussi à faire des plans en haut, comme ça, avec Steph, dans le personnage de DDR que vous allez découvrir bientôt. Voilà, on s'est fait pas mal gazer et ça fait partie du jeu, mais en même temps, pas de film sans tout ça, quoi. Donc vous allez voir, c'était intéressant. Bon, je continue, j'ai toujours la caméra, je vous tiens au jus. Les amis, bon, tout s'est bien passé. Nickel, hein, tu vois, t'as vu, je suis même démaquillé, je vais me raser. Voilà, ouais, tout s'est bien passé, enfin, si on peut dire, parce que c'est pris bien du gaz dans la gueule. C'était assez merdique quand même. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous plaire, hein. Enfin, voilà, en tout cas, vous pourrez très prochainement cliquer. Dès que Morgane aura sorti le film, hein, on va dérocher tout ça. Et je pense sincèrement que vous pouvez aussi participer vraiment à cette œuvre, parce que bah, voilà quoi. Il a vraiment passé le scénario de A à Z. Il m'expliquait vraiment de A à Z quoi faire. Voilà quoi. Sans lui, pas de film. Et surtout sans les donateurs, pas de film aussi. Voilà.